Hello les pitchers, moi c'est Marine, je suis la fondatrice de Pitchiness et on est presque 1000 sur le compte, donc je me suis dit que j'allais vous refaire un petit topo sur pourquoi j'ai créé Pitchiness et ce que c'est que le boom pour la vulve, notamment pour les petits nouveaux. Moi c'est parti tout bêtement de mon histoire personnelle où à cause de la pilule que je prenais pour combattre mon endométriose, je me suis retrouvée à avoir des sécheresses de la vulve, donc des parties extérieures, des lèvres, etc. Donc oui, très sympa. Et j'ai commencé à chercher des solutions pour soigner, pas en tout cas soulager ma vulve de cet inconfort, pour juste pouvoir mieux vivre au quotidien. Et franchement, je trouvais vraiment pas grand-chose qui soit 100% clean, où je comprenais la liste d'ingrédients, qui soit vegan, parce que pour moi c'était important que ce soit fait qu'à base de plantes et qu'il n'y ait pas d'animaux qui soient d'ingrédients d'animaux qui soient utilisés et qui soient vraiment efficaces en fait. Et donc j'ai décidé de le créer. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé au baume pour la vulve. C'est un produit maintenant que j'ai développé avec un laboratoire qui se trouve dans le sud de la France, avec uniquement 8 ingrédients. Et donc la liste, elle est dans un post que je vous publie à nouveau cette semaine. Et qui soit vraiment efficace, qui sent bon. Et en fait, c'est un produit que j'ai co-créé avec plus de 300 d'entre vous. C'est énorme. Où vous avez répondu au questionnaire qui est toujours dans le lien dans la BO et où vous m'avez aidé à dresser le cahier des charges. Et en fait, ce baume, je l'ai là. J'ai un des échantillons qui est finaux. Il est blanc, plutôt blanc, mais la caméra le donne une couleur un peu jaune. Il n'est pas gras. Et en fait, ce qui est génial avec ce produit, c'est que c'est quasiment que des huiles végétales, de l'huile de coco, etc. Donc, on peut facilement en prendre une bonne quantité et quand on l'applique, vous pouvez même les appliquer sur vos mains, hein. Franchement, ça va les hydrater, etc. L'idée, c'est vraiment d'aider à soulager, apaiser votre vulve des agressions du quotidien, comme un jean qui est trop serré, comme une épilation, comme les grossesses ou post-accouchement, comme le papier toilette qui irrite, les règles. Moi, personnellement, ça m'irrite beaucoup. Et donc, en fait, l'idée, c'est juste de permettre aux femmes d'avoir un meilleur confort de vie parce que plus de 33% d'entre nous, nous sommes touchés par ça, en fait. Et c'est dommage qu'on l'adresse pas plus. Et voilà, donc c'est quelque chose que je voulais faire et m'assurer qu'on avait aujourd'hui une alternative qui nous permette vraiment de mieux vivre. Aujourd'hui, ce baume, il sort normalement en janvier, fin janvier 2021, donc juste après les fêtes. En ce moment, on est en pleine période de tests gynécologiques et cliniques pour avoir les certifications des professionnels de santé sur l'efficacité de ce produit. Et ça, pour nous, c'est absolument essentiel, bien que ce ne soit pas du tout obligatoire. Ce qui est un peu surprenant pour des produits d'hygiène intime. Voilà, c'est à peu près tout. Et si vous avez des questions, mettez-les en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite story après ou peut-être un live où je pourrais y répondre. Je vous fais des gros bisous et merci infiniment pour votre soutien. Je vous embrasse. Bye.